Bonjour, ici Victor Hugo, 1860. Alors je viens à tous mes abonnés vous souhaiter une bonne et heureuse année 2012. De bons gameplays, de bonnes vidéos, un bon fun. Et je nous souhaite à toute la communauté de bons FPS, de bons jeux de rôle, de bons jeux d'action et d'aventure pour 2012. Et je nous souhaite à nous, la communauté Xbox 360, dont un membre éminent vient d'arriver, je nomme TheStapler 67, TheStapler 67, TheStapler 67, qui vient d'acquérir une Xbox 360. Je souhaite à la communauté Xbox 360 d'avoir la nouvelle console! D'ici, j'espère au plus tard, le début, la fin de l'automne de 2012. Bien, sinon on va être obligé de doper nos ordinateurs. Moi, personnellement, je suis en train de faire rentrer des barrettes de mémoire. Je vais passer de 8 à 16 gigaoctets. Des mémoires DDR3 1600 MHz. Bref, case latency 9, pour ceux qui s'y connaissent, des corsaires. Bon, alors. Aujourd'hui, je vais présenter la chaîne d'un petit bonhomme. La chaîne s'appelle The Jason du 88. J'appelle THEJASONDU 88. The Jason du 88. Et on écoute. Alors allez le voir, parce que bon, il se plaint un peu en ce moment, on est un peu tous pareils, hein. Il se plaint que son nombre d'abonnés ne monte pas. Alors il dit qu'il va se saborder le 15 janvier si on ne vient pas mettre des likes. En ce moment, il a beaucoup de dislikes sur ses vidéos. Alors moi, je viens de le mettre dans ma sub-box en quatrième partie. Quatrième partie, parce que je lui avais dit troisième, mais en fait, troisième, c'est quelqu'un qui m'a énormément aidé. Je l'ai mis en quatrième. Je vais vous faire aussi une petite annonce. Voilà, j'ai fait un kill, mon premier kill. Voilà, on en reste au kill. Alors donc, allez voir le Jason du 88. Abonnez-vous, mettez des j'aime, faites des commentaires, participez à sa chaîne, sinon il va se faire harakiri pour le 15. Voilà pour Jason de 88. Alors sinon, que dire d'autre? Que je souhaite une bonne et heureuse année. Alors je vais les citer nominativement, parce qu'ils m'ont un peu boosté dans ma démarche de. Parce que moi j'étais un joueur solitaire et puis les jeux vidéo ça me gavait. Donc je cite en premier et au fronton XX Neto 75 XX Naito 75. Après, je citerai The Chitamen THECHEETAHMEN The Chitamen. BB300, BI300, qui fait que des unboxings sur YouTube. Je crois qu'il a la même chaîne sur Dailymotion, où là, il fait le test complet des jeux vidéo. Je voulais vous dire aussi, je vais vous montrer la connerie que j'ai faite. J'aurais mieux fait d'acheter Sonic. J'ai acheté Rayman Origins. Bon, c'est pour à partir de 7 ans. Alors, c'est pas du tout le Rayman 3D d'il y a une quinzaine d'années. Alors, ça casse pas les briques, moi ça me gave. Hein. Donc, ce jeu-là, peut-être un jour, je le mettrai en concours. Peut-être pour mon 700e abonné, on verra. Moi, j'aurais préféré acheter Sonic. Hein. Bon, je sais pas s'il y est pour la Xbox. Que vous dire de plus? Pas grand-chose à dire. Que.
Il semblerait que, d'après ce que je vois, c'est que les toutes petites chaînes ont pris un grand coup sur la gueule au profit des majors. Alors j'appelle majors les grandes chaînes, style Diablo X9, pour qui j'ai un grand respect, enfin une estime, et bon, je le kiffe, comme on dit dans les banlieues, hein, bien que je ne sois pas dans les banlieues, vous savez. Des grandes chaînes comme ça qui ont explosé. J'ai connu Diablo X, Benoît, il était à quoi 38, 40 000. Et il pouvait m'écrire à l'époque. Là, il est à 388 000. C'est énorme. C'est monstrueux, je dirais. Bon, il n'a pas besoin de tout ça, lui. Bon, il y a Monsieur le V12 qui est en pointe, qui est de pointe, qui est spécialisé dans les FPS. Donc, au détriment, tout l'afflux de... Enfin, moi, c'est ma petite opinion. Tout l'afflux de ces abonnements ont foutu le camp sur les grandes chaînes. Puisqu'ils trouvent des chaînes comme ça, eh bien, ils s'en contentent. Ils vont pas s'abonner sur des milliers de petites chaînes individuelles. Bon, et eh bien voilà, écoutez, moi, je progresse douce manette dans mon style de jeu. J'ai mis beaucoup de temps parce que moi, bon, je suis un gars nerveux et qui panique vite. Alors, vous me voyez tirer dans les murs ou des conneries comme ça. Je cherche pas à comprendre, moi. Moi, je tire d'abord, je fais les sommations après. Donc, je commence un tout petit peu à améliorer. Je voudrais que certains petits kikous ne viennent pas trop violemment me dire que je joue mal en message privé. C'est pas très gentil, tu vois de qui je veux parler, hein. Bon. Écoutez, j'ai pas grand chose à vous dire, j'ai pas préparé mon truc, mon speech. Je me suis dit, il faut leur souhaiter la bonne année. Donc, moi, à partir de janvier, le 15 ou le 13, alors le 13 janvier, les gars, c'est mon anniversaire. C'est horrible, hein, je vais vers ma 60e année, putain. Hein. Bientôt la tombe, hein. Donc le 13 janvier, c'est mon anniversaire, donc les bonbons, les paillotes, les papillotes en chocolat, les boîtes de Léonidas par kilo, vous pouvez me les faire envoyer, je vous donnerai l'adresse, hein. Une adresse en poste restante, bien sûr, la mort aura aussi avec, si vous voulez, si vous en avez marre de m'entendre. J'ai ouvert une page sur Facebook. Alors ça s'appelle Armando Michelangeli, A-R-M-A-N-D-O, et Michelangeli, M-I-K-E-L-A-N-G-E-L-I. Michelangeli, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de meufs. Cherche homme. Bon, écoutez, que dire d'autre? Sinon, je dis à The Stapler 67, accroche-toi, la manette, je comprends que venant d'une manette énorme de PlayStation, tu aies du mal à t'habituer au rikiki d'une Xbox 360. Bon, je la trouve la mienne, parce que j'en ai partout. Ouais, je vous avais dit que j'avais trois consoles. Non, je ne sais pas où je vous l'avais dit. Alors voilà, c'est rikiki, bien sûr, par rapport à une PlayStation qui est plus large. Donc, tes mains, quand tu les ramènes, j'imagine que, au lieu de les avoir bien comme ça, tu dois les ratatiner. Donc, tu as mal à tes petits doigts, David. Mais ça viendra. Quant à la clarté d'une Xbox 360, je l'ai toujours clamé. Et c'est pour ça que, je pense, Diablo X9 est allé sur Xbox 360 et qu'il a acheté comme moi un Sony Bravia. Bon, écoutez, j'arrête de délirer. Je dis merci à tous mes abonnés. Je remercie particulièrement les gens qui m'ont fait des backgrounds. Je cite pêle-mêle The Slayer, High Black HD, Sea Time 94, évidemment, excusez-moi, The X Angel X17, et puis un pote à The Stapler 67 qui m'avait fait le joli background avec des feuilles jaunâtres là. Là, je ne m'en rappelle plus, je l'ai perdu de vue celui-là. Bon, écoutez, ne perdons pas le Nord. Soyons courageux, travaillons. On aura les grandes chaînes, on les aura si on travaille.
Et bon, il faut pas s'affoler si il y a quatre quicots qui viennent s'abonner, qui le lendemain matin, ils se désabonnent. C'est de leur âge, hein. Bon, écoutez les mecs, les nanas, bonne année, bon gueuleton pour ce soir, et comme tout à l'heure, et comme d'habitude, à tout berzingue vers le buffet. Ciao!